Willou, j'imagine que Sébastien Haller, c'est un joueur, un attaquant que tu suis beaucoup. Qu'est-ce que voilà, il nous montre ton maillot. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, Willou, sur Seb? Je suis un grand fan. Je t'avais mis numéro 1 dans ma liste des 10 attaquants à suivre il y a 2 ans, il y a 2 étés, quand tu venais de signer à West Ham. Gros admirateur de ton profil, de ta qualité. Mais j'avais une C'est question à te gentil. poser. Alors, en Oui. l'occurrence, tu vois que j'avais hésité entre deux maillots pour cette émission. Finalement, j'en ai choisi aucun. Mais je me posais des questions sur la Côte d'Ivoire. On sort un peu de la question de l'Ajax. Mais sur la Côte d'Ivoire, je trouve que vous avez une équipe vraiment assez extraordinaire. Toi en Je pointe, trouve mais aussi. entouré sur les côtés, Jérémy Boga, Pépé, c'est fou. Kessié derrière, Sangaré qui est incroyable. Même dans l'axe, tu as Eric Bailly, Willy Boly, parmi d'autres. Et du coup, je me demandais comment est-ce que toi, tu as vécu tes premiers pas, tes premières capes en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu imagines comme avenir, comme ambition? Quelles ambitions est-ce que vous avez? J'ai vu que tu avais marqué un doublé contre le Cameroun dans un match super important en plus. Donc ouais, c'est une belle étape de ton parcours, je trouve. Et ce serait intéressant d'en apprendre un peu plus. Bah déjà, j'ai très très bien vécu mon adaptation parce que ouais, faut savoir que quand on joue pour un pays africain, c'est clair que y a énormément de. Bah alors, j'ai reçu beaucoup de soutien, beaucoup de messages. Ça a été une aventure aussi extraordinaire vu que j'ai pas passé beaucoup de temps en Afrique. Étant jeune, donc forcément on en prend plein les yeux, on essaie de s'adapter un peu à beaucoup de choses parce que comme j'ai dit, j'ai pas grandi là-bas, donc on écoute, on prend aussi des conseils des plus anciens et c'est une expérience qui est tout autre de l'Europe parce que forcément c'est pas les mêmes conditions, beaucoup de choses sont plus compliquées à faire qu'en Europe, parce que ne serait-ce que les terrains, des fois les hôtels, les voyages, toutes ces choses-là rendent les choses un peu plus compliquées. Donc, comme je l'ai souvent dit, c'est chaque point et c'est vraiment, on est heureux de chaque but marqué, de chaque point qu'on prend. C'est vraiment quelque chose qui est différent, qui est différent. Après, c'est vrai qu'au niveau de la qualité et du potentiel de l'équipe, il y a quelque chose d'énorme. Il y a vraiment quelque chose à faire. Et ça donne envie parce que on arrive là-bas, il y a encore de très gros joueurs et on garde aussi cette compétitivité qu'on a en club parce que forcément tout le monde joue dans des gros clubs, tout le monde est à un super niveau donc c'est un peu aussi une bouffée d'air frais quand on arrive là-bas parce que quand on revient on se dit quand même qu'on a beaucoup de chance d'avoir ce qu'on a, de jouer au niveau dans lequel on évolue dans ces conditions. Willou, est-ce que tu as une dernière question à poser à Seb avant peut-être de nous quitter? Ouais, bien sûr. Alors c'était un peu similaire sur la question de ton jeu, parce que voilà, aujourd'hui tu as 27 ans, je suis de 20 jours ton aîné, on a exactement le même âge. C'est un peu l'âge qui est considéré comme étant le sommet de la carrière d'un footballeur. Toi, tu es en train de vivre une des périodes les plus fastes de ta carrière. Quel retour est-ce que tu fais sur ton jeu, l'évolution de ton jeu, peut-être sur les dernières années? Est-ce que tu identifies des secteurs où tu dirais que tu as vraiment nettement progressé sur les dernières saisons? Et quels sont ceux où tu te dis qu'il y a encore peut-être une marge de progression à aller chercher pour peut-être être encore meilleur, encore plus fort sur quelques points que tu as isolés? Alors, les points dans lesquels j'ai progressé, je dirais surtout peut-être mentalement. Mentalement, parce que le travail d'attaquant, c'est vraiment quelque chose qui est spécial. C'est-à-dire que tu marques pas, tu as été le plus nul du match, tu as marqué, tu as été le plus fort. Donc c'est un peu comme ça que c'est un peu vu et que c'est un peu jugé, même si le travail qui est fait est beaucoup plus profond que ça. Ça va être mentalement dans le sens où peut-être qu'à des moments où tu perds un petit peu la concentration, quand tu vas rater une passe ou deux, tu vas rater quelques duels ou tu vas rater une occasion, à réussir à se remettre dedans pour pouvoir être décisif sur l'action d'après. C'est toutes ces choses-là qui font progresser. Je pense que ça a été aussi dans la régularité des matchs. De ne pas juste faire un bon match par-ci et par-là, c'est d'être un peu plus régulier. Et forcément, quand on prend de l'âge, de l'expérience, on prend aussi physiquement. Ouais, avec l'expérience, on va dire les choix aussi qu'on fait sur le terrain aident. Ouais. Et forcément, on fait tout un petit peu mieux.
Et sur les points à progresser, on va dire que si par exemple, ne serait-ce que le match contre le Beşiktaş, tu marques les deux ou trois autres occasions que tu as, c'est tout de suite différent. Et c'est voilà, ça joue sur les détails, mais il faut arriver à avoir un maximum d'efficacité sur le peu d'occasions qu'on a et être encore plus décisif. Après, peut-être que dans la prendre la prise d'information, je dirais, j'aimerais bien progresser là-dedans et forcément sur les premières touches, c'est toujours ce qui fait la différence. Intéressant, mais c'est vrai qu'en plus à l'Ajax maintenant, tu es dans une situation où souvent tu as un encore plus gros volume d'occasions à aller convertir, et peut-être que par rapport à d'autres contextes de jeu, c'est pas la seule occasion de la partie. Donc peut-être que ça peut aider dans cette perspective. Et très intéressant sur les prises d'infos. Bon, moi, peut-être je creuse un petit peu sur cette question, tu me dis si c'est pas pertinent, mais. Qu'est-ce que Dis-moi. tu vois comme mécanisme pour améliorer un peu la prise d'information? Genre, techniquement, est-ce qu'il y a quelque chose que tu sens qui serait possible de faire en plus pour prendre un peu plus d'infos? C'est ça qui est assez compliqué parce que le foot, c'est quand même un sport où il y a peu de tests vérifiés qui sont faits parce qu'on n'a pas le temps et qu'on va pas prendre des joueurs professionnels en tant que cobayes pour essayer je ne sais quelle technique. Donc c'est toujours un petit peu du bricolage. Et essayer de trouver sa propre façon de travailler ou de progresser dans ces domaines. Donc bon, ça reste des choses où il faut prendre l'information, c'est ne serait-ce que tourner, d'avoir ce réflexe-là. Donc comment l'avoir? Bah, c'est au quotidien d'avoir des gens autour qui nous aident à nous rappeler qu'il faut absolument prendre la prise d'information. Ça passe par voilà, du petit travail quotidien. Et qui au final fera la différence peut-être plus tard dans un an ou deux, mais à chaque fois c'est des petites étapes. Cool, super intéressant, merci. Laure, est-ce que tu veux rebondir sur les questions de Willou et peut-être toi aussi Ah mais la interagir avec prise d'infos, Sébastien? c'est vrai que c'est pas simple à bosser. On a tous dans tous les postes, y compris quand j'étais latéral, c'est un peu moins dur parce que malgré tout, t'as une ligne, t'es plus cadré, tu peux avoir moins d'adversaires autour de toi dans le sens où déjà, moi j'étais latéral gauche, donc forcément je suis cadré par toute une ligne sur le côté gauche. Alors que quand tu joues joueur axial comme Sébastien, tu dois avoir une vision 360 de tout ce qui t'entoure. Et on est revenu, on a fait une palette immersive sur Messi cette semaine, sur sa capacité à. D'ailleurs, Seb, si tu peux voir cette palette et Willow aussi, elle est exceptionnelle. Et en fait, oui, Messi, c'est un joueur dingue. Évidemment, il a des qualités innées exceptionnelles. C'est le meilleur joueur de la planète. Mais en fait, ce qu'on voit dans cette palette, c'est que il a aussi une intelligence dans toutes ses prises d'infos. Et en fait, c'est un ordinateur. Il passe son temps à tourner la tête. Il fait ça au moins 50 fois par mi-temps. Il a une analyse 3D de tout ce qui l'entoure. Et je pense aussi que quand on voit ses prises de balles qui sont dingues, quand tu sais ce qui se passe autour de toi, tu sais où contrôler la balle. Et c'est bien mieux. Après, pour la bosser à l'entraînement, c'est surtout dans les conservations, dans des espaces le plus restreint possible où tu dois prendre l'information le plus vite possible parce que si tu te fais un 7-7 de conservation dans un rectangle le plus petit, ça vient plus vite sur toi donc tu es obligé de prendre l'information. Donc c'est, je pense aussi, tu es dans une belle maison, Sébastien, pour bien bosser C'est ta prise clair. d'info parce que c'est une maison qui aime. La conservation du ballon, et je pense qu'à l'entraînement, tu dois pas en être privé. Enfin, je sais pas, je suis pas là-bas, On fait que ça, mais on fait que ça. Les tu espaces vois. réduits, c'est le pain quotidien. Donc, c'est à moi d'arriver à trouver cette petite méthode qui me fera progresser dans ce secteur-là. Ça, et puis les jeux à une touche, je sais pas si vous en faites aussi, mais bon, normalement, c'est bien de jouer à une touche, mais il y a des fois des jeux d'entraînement qu'on faisait où c'était. Soit une succession de une touche, deux touches, une touche, deux touches. Donc tu dois prendre l'information différemment en fonction Exact. de quand tu reçois la balle et que tu as deux touches, c'est différent de quand tu as une touche. Et quand tu fais un jeu total à une touche, mais c'est un casse-tête. Moi, je me rappelle que j'avais le cerveau qui était en fumée. C'est pas simple, ouais. C'est pas simple du tout. C'est les déplacements qui font la différence dans ce genre de jeu à une touche, parce que Exactement. forcément,
T'as pas le temps, donc tu dois te Exactement. déplacer pour ton coéquipier, donc c'est assez compliqué, ça. Bien, il est temps pour nous de dire au revoir à Willou. Je crois qu'il a une fin de match lyonnaise Ouais, et à d'ailleurs, regarder. On va. il y a 2-0, hein. Tout va bien pour Lyon. C'est vrai. Ouais. Ah, tu fais plaisir. J'espère que je t'ai pas tué le suspense. Tu voulais pas le score? Ah, si, 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 c'est très bien. C'est au contraire, Ok, ça me ok. fait très plaisir. Doublé de Toko. Doublé de Et Toko, je vois Kwambi, ça, trop cool. Paqueta est Ah, encore c'est cool. exceptionnel. Voilà. C'est vrai. Ah, ça m'étonne pas. Je le voulais en 9 en plus. J'avais fait un petit tweet. Je voulais le voir un peu tester en 9 parce qu'il nous manquait un numéro 9. Donc voilà. Ravi, ça va faire une belle fin de soirée. Merci à tous. C'était cool. Salut, merci beaucoup Willou, à Merci. très vite. Merci. Ciao. Ciao.